Thank you.
Nous voilà en ligne, un peu à côté de notre de notre routine habituelle, si je puis dire, du fait de contraintes diverses d'emploi du temps qui m'empêchaient de streamer en milieu de semaine, mais j'avais quand même envie, histoire de reprendre le rythme quand même, de me tenir à ce stream cette semaine, surtout que la semaine prochaine je ne pourrai pas streamer, puisque je serai pris toute la semaine sans possibilité de le faire, donc je voulais néanmoins maintenir cette habitude-là cette semaine, autant que faire se peut. Alors, cette semaine, le thème que j'avais envie d'aborder, c'était celui du faux, de la contrefaçon, de l'imitation, de ce qui
paraît vraie et légitime et qui finalement ne l'est pas. Qui est un thème voilà, que l'on peut aborder de différentes façons dans le cadre de la linguistique et du jeu vidéo par ailleurs, mais que j'avais envie de traiter avec un angle particulier, qui est celui de la diachronie d'une part, et puis de, hop, de Fallout de l'autre. J'ai eu l'idée en retombant sur l'article dont je vais faire la lecture ce soir, hop, un article paru en 2018, écrit par Gilles Soufi, Agnès Stuckart et Chantal Vionnet, et qui est paru dans un ouvrage de 2018 qui s'appelait « Nouvelle voie d'accès au changement linguistique », si je me rappelle bien, paru aux éditions Classique Garnier. C'était des actes à l'origine de colloque de la SIDF, de la Société Internationale de Diachronique du Français, qui est une société savante, dédiée, comme le nom l'indique, voilà, à l'histoire de la langue française, société à laquelle je fais partie, et qui, tous les deux ans, si je me rappelle bien, organise des colloques, des réunions, afin voilà, d'échanger sur ce sujet d'étude, et régulièrement, du coup, après les colloques, des actes sont publiés. Et donc, le titre de cet article est toujours très intéressant à voir, hein, c'est vraiment quelque chose de rigolo. Y a-t-il de faux changements linguistiques ? L'exemple des modalisateurs. Donc, c'est évidemment un titre qui interpelle. Et donc, comme toujours, hein, je vais parcourir l'article, et puis s'il y en a qui me suivent en direct à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous voulez que je revienne sur un point de discussion ou que j'éclaircisse un concept ou voilà, quelque chose qui semblerait peu clair ou que sais-je. Alors, commençons comme juste par l'introduction. Le titre donné à cet article peut induire en erreur. Le terme « faux changement linguistique » est bien évidemment une facilité de formulation qui est une manière d'inviter à réfléchir aux avantages d'étudier une diachronie longue ou une diachronie courte pour aborder la question du changement et du rythme du changement. Dans un article de 2012, nous avons milité pour un travail en diachronie courte, plus propre selon nous à l'observation du fonctionnement effectif du « change in progress » comme le formule Laboff. Et ici, nous tenons au terme fonctionnement, notre démarche n'étant ni explicative, ni de recherche des causes. Donc effectivement, il y a une tension qui peut exister en diachronie, que ce soit diachronie du français ou que sais-je, de savoir quelle est l'échelle, l'empan temporel sur lequel on doit étudier ces types de changements. S'il faut faire un balayage très large des phénomènes sur plusieurs siècles, ou si au contraire on doit davantage se concentrer sur de micro-phénomènes et sur une micro-diachronie de quelques décennies afin d'observer ce qui se produit. Et donc les enjeux de recherche entre les deux ne sont pas tout à fait identiques et on n'a pas toujours les mêmes résultats entre ces deux façons de faire. Dans le présent article, la question des différents rythmes des changements sera abordée à travers le cas spécifique de changements rapides sur diachronie courte. L'objectif de l'exposé sera aussi de poser la question de l'éventuelle spécificité de phénomènes où jouent de premier plan les faits de parole plutôt que les facteurs fonctionnels. L'hypothèse générale qui conduit à notre réflexion est que pour un ensemble de formes langagières, il est difficile d'utiliser les modèles du changement linguistique, linguistic change plutôt que language change. Donc du changement linguistique actuellement en cours, souvent relié au schéma de la grammaticalisation et qui suppose une phase de complétude et une installation dans la langue. Donc effectivement, la notion de grammaticalisation, qui consiste à faire progresser des termes ayant plutôt une valeur lexicale de noms, d'adjectifs, de verbes, etc., vers des outils plutôt grammaticaux, de conjonctions, de prépositions, etc., ce qu'on appelle la grammaticalisation, et elle est directionnelle et elle est censée avoir une étape terminale.
C'est du moins la théorie la plus en vogue aujourd'hui pour expliquer ces phénomènes que l'on observe dans un très grand nombre de langues. Parmi les formes qui nous paraissent exposées à des changements rapides et possiblement éphémères, nous pourrions citer les technolettes codifiées et propres à une entreprise ou un milieu professionnel, options tarifaires, bilan rénovation, la néologie journalistique, les tics de langage, les éléments de langage et ce que l'on appelle les buzzwords. Un point commun entre ces formes est qu'elles apparaissent souvent à la conscience des locuteurs comme ayant subitement émergé et se plaçant à un niveau différent de la langue générale. Souvent, on parie sur leur disparition prochaine, parfois des données quantitatives permettent qu'on observe un déclin se réalisant sur peu d'années. Les modalisateurs ou marqueurs discursifs, qui seront l'objet de notre étude ici, se situent encore à part. Bideau les appelle « sortes de jokers », ce qui laisserait supposer qu'ils se situent sur un autre plan de la langue. À la différence des faits langagiers précédemment cités, ils ont essentiellement affaire avec la parole et n'ont pas de vocation dénominative. Donc ils ne désignent rien, ce ne sont pas des référents, hein, des noms ou des expressions nominales renvoyant à un objet, un processus, etc. Bon. De façon générale, les modalisateurs, ou marqueurs discursifs sont aujourd'hui très étudiés. Il y a une abondante littérature là-dessus et moi-même je prépare un article qui participe à cette mouvance. On peut même parler d'une sorte de mode dans le milieu linguistique actuellement. Le mouvement date des années 70 avec les études de Gulisch. En anglais, les études sont très abondantes. Elisabeth Trogoth a étudié notamment « obviously, in fact, actually, anyway ». La perspective adoptée est généralement l'étude du fonctionnement sémantique et de la désémantisation en cas d'emploi discursif. Articulée avec les théories de la grammaticalisation et de la pragmaticalisation. Des recherches ont été faites ou sont en cours sur des périodes passées. Mais il nous semblait qu'une étude en diachronie courte n'avait pas encore été tentée et pouvait avoir son sens pour valider ou invalider l'hypothèse d'un fonctionnement d'usage différent de ce qui est observable en langue générale, sans parler de la langue spécialisée exclue ici. Les modélisateurs ou marqueurs discursifs ne manquent pas en effet de poser des questions essentielles aux diachroniciens, notamment celles des raisons de l'émergence de ces modélisateurs, dont le sens et la place dans le système linguistique semblent faire problème, et effectivement c'est un des problèmes que j'attaque hein, dans l'article que je prépare, celle de leur capacité à s'installer durablement ou non dans la langue, l'observation des faits montre que leur usage est parfois transitoire, celle de leur rapport réciproque et de leur fluctuation d'usage, celle des rapports entre émergence de nouvelles formes et émergence de nouveaux emplois de formes attestées. Ces marqueurs signalent-ils l'existence de zones de la langue susceptibles de donner l'impression d'un changement sans l'amorcer véritablement ni aboutir? Peut-on assimiler, voire réduire, leur emploi à d'éphémères modes langagières? Nous suivons l'idée de Labov qu'il existe un certain nombre de points communs entre la mode et le changement linguistique, comme la rapidité du changement, la visibilité sensorielle forte de traits, le caractère sporadique des changements au regard du grand nombre de traits demeurés inchangés. Ainsi, il nous semble qu'on peut valider l'existence de ce que Brunet appelle des modismes. Hein. Les modismes connaissent, si on cite Brunet, hein, deux existences. La première confidentielle en tant qu'élément de reconnaissance à l'intérieur d'un groupe qui circule quelque temps en circuit fermé. La seconde publique, reprise et colportation de la forme nouvelle jusqu'à usure et disparition ou décoloration et intégration neutralisante dans le lexique. Les modalisateurs en sont-ils ? L'idée est de chercher des modalisateurs ayant connu une brusque envolée dans les usages, suivie d'un déclin, voire d'une disparition. À partir de ces exemples, nous confronterons quelques regards théoriques récents autour des questions du rythme et du changement linguistique, de grammaticalisation et de pragmaticalisation, de prise en compte de la position du sujet parlant dans la modélisation éventuelle du changement. La question qui se pose est bien de savoir ce que le regard diachronique peut ici permettre de saisir, notamment l'éventuelle place singulière de ces formes dans l'équilibre de la langue. Doit-on réserver un rôle particulier aux paramètres énonciatifs dans ce statut? Donc, deuxième partie, première partie après l'introduction. Les modalisateurs. Le terme le plus employé aujourd'hui en linguistique est marqueur discursif, ou discourse markers. Le terme modalisateur est plus ancien, hein, il date de Dubois 69,
On distinguera des modalisateurs formalisés, comme les adverbes dits d'opinion, peut-être sans doute, évidemment, etc. Des transformations modalisatrices, comme l'emphase et le passif facultatif. Des interdépendances de niveau, comme l'utilisation des rapports de langue familière, populaire, littéraire. Modalisation de l'attitude du sujet, comme l'opposition accomplie, non accomplie des formes verbales. Modalisation des types d'énoncés, énoncés rapportés de diverses natures, depuis le je pense que jusqu'au performatif. Il se révèle également circulant, notamment grâce à la notion de modalisation, modalisierung, modalisation dans Weinreich. Les deux termes ont des avantages et des inconvénients. L'usage de marqueurs discursifs est souvent large et va jusqu'à englober les marqueurs de balisage ou les ponctuants du type voilà, là, et bien, les hésitations du type e. Hein, certains comme Kerba ou Wickeny préfèrent l'appeler modalisateur que des procédés signalant le degré d'adhésion plus ou moins fort du sujet d'adhésion. Dénonciation au contenu énoncé, ce qui conduit à inclure des faits intonatifs ou typographiques, qui ne sont pas notre propos. De notre côté, historiquement, nous avons commencé par sélectionner nos formes à partir des événements méta, auxquels elles ont donné lieu, commentaires qui avaient attiré notre attention sur une éventuelle spécificité des changements. Nous avons sélectionné des formes qui, de fait, accompagnent souvent l'énonciation, qu'il s'agisse d'une modalisation du dit, hein, ou du dire, hein, de ce que l'on dit, ou de la façon dont on le dit. Citons par exemple « juste quelque part », n'est-ce pas, voilà, genre, c'est vrai que, on va dire que. Cette liste a un aspect un peu arbitraire et hétérogène, et nous poserons en dernière partie la question de son extension, puisqu'à notre sens, de très nombreuses formes ou tournures peuvent être amenées sur du petit espace diachronique à entrer dans la catégorie des modalisateurs ou marqueurs discursifs. Pour Traugott, les marqueurs discursifs ont un statut un peu particulier. Ils ont à voir avec les phénomènes de grammaticalisation, même si leur statut est en apparence un statut extra-grammatical. Dostier utilise pour désigner l'installation d'un fonctionnement pragmatique de ces marqueurs discursifs le terme de pragmaticalisation. Nous suivons pour nos objets d'étude la perspective qui consiste à se concentrer sur un fonctionnement spécifique en marqueur discursif qui se détacherait de tous les autres emplois. Inférentiel, adversatif, concessif, additif, épistémique, métatextuel. L'emploi en marqueur discursif isolerait la dimension de la pragmaticalisation. Badiou, Ferrand et Bouquier ont observé qu'à leur sens, la pragmaticalisation de « alors », par exemple, est antérieure à sa grammaticalisation. Elle suggère l'hypothèse d'un mode d'institutionnalisation catastrophique pour les pragmatèmes. À l'opposé d'un mode progressif et unidirectionnel pour les grammèmes. Il n'y aurait pas de phase de transition impliquant concurrence avec d'autres morphèmes, pas de synonyme en emploi ponctuant, pas de variation. Faudrait-il conclure à un rythme plus rapide dans le processus du changement que pour les autres catégories? Les marqueurs discursifs représentent-ils ces zones de la langue qui ont nécessité à toujours se renouveler? Il faut, pour le vérifier, mener une enquête quantitative. Cette enquête est difficile à réaliser par manque de données sur des périodes précédentes 2000. Frontexte est insuffisant. Initialement, nous avions pensé nous concentrer sur la question de l'émergence, cependant le déclin de certains usages n'a pas manqué de nous surprendre, ce qui nous a amené à envisager notre travail autrement et dans la perspective des faux changements. Notre travail sur les modalisateurs a commencé avec une enquête sur les usages écrits de « c'est vrai que ». Dans cette enquête, nous avons complété une première recherche sur Frontexte par une exploration de la base de données Factiva. Pour les grands quotidiens nationaux, l'avancée actuelle de la numérisation a permis une investigation depuis 1999, qui permet d'obtenir ce graphique suivant. Donc ici, le Figaro, avec « c'est vrai que », qui commence très bas. Puis là, on voit hop, un très fort succès dans les années 2000, et puis ensuite ça décroît jusqu'à atteindre un rythme de croisière, alors qu'il est relativement stable, mais sur le déclin, dans Libération et dans Le Monde. Pour la presse spécialisée et régionale, l'état actuel de la numérisation n'avait pas permis de remonter en deçà de 2004. Donc, c'est vrai que, on voit que les courbes se croisent, avec en noir, là on sonde l'équipe, en gris, Ouest France, et puis on voit que les courbes se croisent avant, là aussi, d'atteindre un nombre d'occurrences, une fréquence assez similaire dans les deux cas. Toutefois, les deux graphiques font apparaître clairement un moment de pic, entre 2004 et 2007. Nous avions observé que ce pic des usages correspond à ce que nous avions nommé une crise épilinguistique, visible chez les chroniqueurs institutionnels et les divers remarqueurs. À partir de 2007, il nous a semblé pouvoir observer le début d'un déclin. Les cas de déclin, voire de disparition de modalisateurs, jalonnent l'histoire de la langue. Lors de la journée d'études organisée à la Sorbonne le 27 juin 2013 autour des modalisateurs émergents en français contemporain, Bernard Combette a présenté une communication sur la disparition de « n'est-ce pas »
ancien marqueur en vogue au XXe siècle, est aujourd'hui presque complètement disparu de l'oral et ne se trouve plus à l'écrit qu'assorti de paramètres littéraires. Dans l'enquête quantitative qu'il a menée sur Frantex, avec les précautions d'usage, hein, risque des déséquilibres créés par la surreprésentation d'un auteur, présentant un tic d'écriture par exemple, il a mis en évidence une chute nette à partir de 1960. Pour lui, la concurrence est faite avec « d'accord » et « non », tous deux précédés d'une virgule. Dans « n'est-ce pas », il a relevé la double démotivation de l'interrogation et de la négation, au point qu'il ne reste aujourd'hui plus rien des anciennes valeurs de la forme. De son côté, Evelyne Opperman-Marceau a suivi, dans une étude récente, la trajectoire du marqueur DA, hein, intensifieur courant de l'ancien français, tombé en désuétude en français classique. Les cas de déclin d'une forme, après une période d'utilisation relativement fréquente et consensuelle, ne sont pas rares. Nous poursuivons ici nos investigations autour d'un cas qui a paru emblématique, hein, celui de « quelque part ». Donc le cas de « quelque part », une émergence contrariée. Un très joli titre de partie à ce que je trouve. La pragmaticalisation de quelque part est bien documentée. Sa description linguistique à ce jour la plus complète est présentée par Kléber et Gerhard Kret, qui distinguent deux emplois émergents non spatiaux de quelque part, un emploi psychologique et un emploi modal. Le premier, illustré par le célèbre « ça m'interpelle quelque part », est limité au domaine des sentiments et des affects psy. Cet emploi est enregistré dès 1989 dans le dictionnaire d'élocution et expression, hein, par l'influence du vocabulaire vulgarisé de la psychanalyse, quelque part a pris récemment la valeur de « dans un recoin du psychisme », à un niveau de l'inconscient et du subconscient. Quelque part porte alors toujours un thème spatial, mais il indique l'existence d'un sentiment dans un secteur indéterminé à l'intérieur d'un lieu englobant abstrait aux contours mal définis. De ce point de vue, on peut considérer qu'il modalise la proposition où il se trouve. Le second, auquel Kléber et Gerhard Kret réservent l'étiquette de modal, est illustré par des exemples du type « nous avons une responsabilité quelque part dans cette désaffection ». Citation de Marie-Georges Buffet au journal télévisé. Ce « quelque part » fonctionne, contrairement au précédent, délesté des repères spatiaux. Il présuppose cependant que la proposition P n'est valide qu'en un lieu et pas ailleurs. Il apporte une modalisation épistémique avec effet d'atténuation. Partiellement dans le premier emploi et complètement dans le second, quelque part sort de la catégorie de l'adverbe et ressortit à celle de modalisateur. Une émergence stigmatisée. L'apparition de ces emplois nouveaux est remarquée en 78, parmi d'autres expressions relevant de ce que Karine Clément nomme l'aérophagie des psychanalystes. Au passage, nous dit Catherine Clément, il lâche quelques mots de passe, quelques expressions volontairement énigmatiques du style « quelque chose de ce qui se passe dans la castration »,« j'avais envie d'interroger l'autre versant du concept »,« le lieu d'où tu parles, d'où ça écoute », sans oublier ni l'inévitable, ça m'a interpellé quelque part. Le haro sur les usages nouveaux de quelque part se poursuit sans désemparer dans les années 80 chez les chroniqueurs de langue, chez Slatka dans Le Monde, comme en littérature. Ainsi, Yves Navarre les met en scène. En décembre et janvier, toutes les phrases de grec commençaient par « metavique ». En février, « yalta par-ci, yalta par-là ». Depuis mars, c'est « quelque part, je ne suis pas sans penser que » ou « quelque part, je voudrais bien voir ». Yves Navarre toujours. « J'ai dit à Josette que « quelque part » voulait dire « parole de psy ». J'ai prévenu Bruno, Lala et Lou. Résultat, grec ne peut plus parler sans que nous pouffions rire. « Quelque part, ce mec-là me rappelle Mussolini » ou « quelque part, j'ai une faim de loup ». Lala glapit, Bruno rougit, Josette va se coucher, Lou dit c'est lassant, et Greg reprend quelque part, je ne suis pas sans penser que, ou oui, c'est la guerre civile et froide, et quelque part, mes petits, gare au retour de flamme. Nous rions. On le perçoit particulièrement dans ce dernier exemple. La frontière tracée par Kléber et Gerhard Kret entre un quelque part psy et un quelque part modal est mince. Je suis assez d'accord avec ça. Si. Dans les premiers exemples cités par Yves Navarre, la présence d'une première personne permet éventuellement de définir un espace psychique et donc d'actualiser un scène spatial, cela paraît plus difficile dans « quelque part, mes petits gars, gare au retour de flamme ». Quelque part entoure ici d'un halo d'incertitude la menace d'un retour de flamme et fonctionne alors seulement comme modalisateur. Les remarqueurs modernes perçoivent en fait un emploi émergent de quelque part sans se soucier de la fine oscillation décrite par les sémanticiens.
La dénonciation du jargon psychanalytique est étendue à l'ensemble des usages émergents. La stigmatisation de quelque part, sortie de son usage adverbial classique, est devenue un topos des chroniques de langue. Elle se retrouve encore au XXIe siècle chez Camus, qui le juge insubmersible, et chez Pourquery. Mais qu'en est-il dans l'usage? L'ajout d'un nouvel emploi en tant que modalisateur a-t-il modifié la fréquence de quelque part? Donc, une émergence partielle. L'enquête est rendue difficile par le manque de données textuelles non littéraires en quantité suffisante. On tentera d'esquisser les tendances en s'appuyant sur les données du Ngram Viewer, sur les archives du Monde et sur Frontext. Le site de Google Ngram Viewer produit des graphiques diachroniques à partir des nombres d'occurrences attestées dans la base Google Books, qui enregistrent ouvrages de tout genre et revues conservées dans les bibliothèques institutionnelles. Une interrogation sur la période 1960-2008 met en évidence une montée en puissance de quelque part dans les années 80, un pic au milieu des années 90, suivi d'une décroissance, mais non d'une disparition. Les archives du Monde, interrogeables dans leur totalité depuis septembre 2004 et consultables sur la base Europresse, nous permettent de suivre la fréquence de quelque part dans la période du changement repéré. Quelque part dans le monde, là on voit, avec ce pic entre 80 et 85, et puis hop, ça se lisse tranquillement, mais ça atteint quand même, ça demeure un niveau bien plus élevé que là dont nous étions partis. Dans le monde, la montée en puissance de quelque part intervient un peu plus tôt que dans Google Books. Il n'apparaît pas très surprenant que la presse soit plus sensible aux variations du discours. Par exemple, Catherine Clément, qui reconnaît d'ailleurs elle-même dans son pamphlet de 78 être entrée dans les modes langagières qu'elle dénonce, est une précoce utilisatrice du nouveau quelque part. Il faut parler de cette émission, écrite-t-elle en 75, qui commence déjà la tête et les jambes. Bien sûr, c'est une reprise, mais quelle énorme machine à régler, à gérer, à faire tourner. Quelque part, cela continue d'être le train électrique, le jeu, s'il est une marchandise à commercialiser sur le petit écran, reste le jeu d'un groupe qui n'en finit pas de jouer à l'enfance. Ce quelque part, s'il intervient dans une analyse à coloration psychanalytique, il s'agit de plonger dans la psyché de Pierre Bellemare, fonctionne déjà comme un modalisateur. Il place une marque d'approximation sur la proposition « cela continue d'être le train électrique ». Après la vogue de la fin des années 70 et du début des années 80, l'emploi de quelque part connaît dans le monde un tassement sans toutefois disparaître. S'il fonctionne majoritairement dans son emploi adverbial traditionnel, il peut être utilisé comme modalisateur. La base Frontex indique pour la langue littéraire une montée en puissance plus tardive et plus discrète. 3 entre 90 et 94 chez Hélène Sissou, 19 entre 95 et 99, dont 16 chez Boris Schrader, 7 entre 2000 et 2004. Les différentes bases consultées font donc apparaître une vogue décalée du quelque part modalisateur, repérable des 75 dans le monde. Elle est perceptible à partir de 80 dans Google Books et, selon Frontex, reste limitée à quelques écrivains des années 90. L'engouement initial, attaché au discours psychanalytique, retombe assez vite. Les critiques récurrentes des remarqueurs modernes semblent avoir eu raison de cet emploi. Cependant, un usage de modélisateurs sans coloration psychanalytique particulière, se surajoutant à l'emploi adverbial traditionnel, persiste. Il est bien attesté par exemple dans un journal comme L'Équipe, où il représente la moitié des occurrences. Ce nouvel emploi de quelque part n'a pas eu pour effet l'effacement de son emploi adverbial traditionnel. La fréquence de quelque part qui cumule fonctionnement comme adverbe et comme modalisateur se maintient à un niveau plus élevé qu'avant 75. Quatrième partie, donc le changement linguistique et la place du locuteur. Le cas des modalisateurs semble poser la question du changement éphémère. Si l'on accepte de dissocier pragmaticalisation et grammaticalisation, on pourra supposer que la pragmaticalisation s'installe moins. Dans l'exemple que nous venons d'étudier, c'est d'une part que le quelque part modalisateur n'a pas évincé le quelque part adverbe de lieu. D'autre part que le quelque part modalisateur ne s'est pas vraiment grammaticalisé. Ce mouvement inabouti conduit à se demander s'il y a là une possible spécificité de processus diachronique. Une piste qui nous a paru se dégager est celle relative à l'engagement du locuteur dans le choix de la forme. Dans Linguistique de l'émergence, en 2010, Bannière suggère que l'émergence, dans le langage, a un lien avec ce qu'il appelle la pulsion énonciatrice. Lisons cette citation que reprennent Badiou-Montferrand et Ducos dans leur introduction. « La plupart des mutations initiales trouvent une explication solide à partir de la pulsion énonciatrice, par laquelle un sujet fait fluctuer la parole commune dont il est dépositaire et acteur pour créer un signal différent.
Ce dernier connaîtra le sort de tous les phénomènes de ce type. Épiphénomène transitoire, tic individuel qui va disparaître avec le locuteur, succès éphémère qui se propagera sur une zone ou un temps donné, création réussie qui va, comme on dit maintenant, se contextualiser ou se généraliser, la dernière possibilité et la perpétuation du nouveau signal. Une question fondamentale dérivée de l'étude du changement linguistique est celle de la place du sujet par rapport à la langue. En effet, une analyse quantitative menée sur des attestations donne l'impression que le changement s'effectue essentiellement dans la langue. Or, il y a un danger de réification de la langue dans cette démarche, qu'avait déjà pointé Martinet. Le problème nous paraît particulièrement saillant dans le cas des modalisateurs. Dans ce cas, il est patent que l'intention communicative des locuteurs ne saurait être confondue avec une quelconque intention de modifier la langue, ni même avec une connaissance systématique de celle-ci. Le caractère local et discursif du changement apparaît particulièrement bien, et la question de savoir quel est le lieu du changement particulièrement épineuse. On pourra alors être intéressé par les propositions de Keller, 94, qui prolongent celles de Kosoriou et qui mettent en avant, entre le locuteur et le système, les actes de communication concrets. « The changes of tomorrow as a consequences of our acts of communication today ». Très jolie citation, à laquelle j'adhère voilà, très fortement néanmoins. Verleyen relève que cette hypothèse est parfaitement compatible avec l'idée très en vogue en linguistique cognitive d'un système linguistique émergent dans lequel la fréquence d'utilisation des éléments joue un rôle capital, mais que les exemples probants relèvent surtout du lexique, pas de la phonologie ni de la syntaxe. Laboff reprend la courbe en S de Krohr, hein, qui est la courbe classique du changement linguistique. Hein, une forme apparaît, incipient, elle est nouvelle et vigoureuse. Hein, elle arrive à une phase de mid-range, elle atteint une phase de complétion et elle est enfin complétée. C'est le modèle de changement traditionnel hein, que l'on retrouve dans un très grand nombre de changements linguistiques que l'on considère comme étant le modèle le plus stable hein, aujourd'hui. Il développe l'idée que le rythme du changement n'est pas le même selon le stade où on se trouve. C'est à mid-range, quand le maximum d'utilisateurs de formes en concurrence sont en contact avec les unes avec les autres, que le changement serait le plus rapide. Et oui, parce que pendant qu'une nouvelle forme monte comme ça en S, la forme archaïque, elle, suit le cheminement inverse. Hein, elles sont en concurrence, donc il y a un effet de vase communicant. Et donc, à un moment donné, les deux formes ici, hein, au milieu, sont en concurrence. C'est là où ça bataille, où les locuteurs bataillent hein, pour voir quelle forme sera la seule, hein, celle qui survivra. Dans le cas de quelque part modalisateur, il se peut que nous ayons affaire à un changement qui se soit, pour ainsi dire, arrêté à mi-parcours. Dans le processus, nous pouvons observer le stade mid-range, c'est-à-dire le moment où la fréquence d'utilisation et la fréquence de contact entre les interactants créent un épisode décisif. Mais cette rapidité de changement serait elle-même un phénomène éphémère. Enfin, on peut se demander s'il est possible, pour rendre compte de cette spécificité, d'avoir recours à la notion de subjectivation, selon Trogoth, qui dans la théorie de la grammaticalisation est une étape initiale, dépassée par la routinisation. De ce point de vue, on peut se demander si le cas de quelque part confirme ce que Badiou-Monferrand et Bouqui hein, disaient des pragmatèmes, à savoir que la force de subjectivation, intersubjectivation du sens innovant, non contente de n'être pas altérée dans le sens routinisé, y est, selon leurs mots, décuplée. En l'espèce, on serait plutôt enclin à se demander si cette intensité inhabituelle de la subjectivation n'a pas précisément constitué une sorte d'obstacle à une routinisation durable, hein, ce qui pose la double question du pragmatène et de la routinisation. Le fait qu'on ait continué à investir quelque part d'une idée subjective, de psyché, etc., et qu'on l'ait remarqué comme phénomène émergent, a ralenti en quelque sorte son évolution en qualité de pragmatème, et donc il est resté bloqué au milieu de la courbe du changement, hein, et n'a pas pu continuer sa voie vers un pur outil grammatical. Ce phénomène serait alors susceptible de toucher toutes sortes de formes ou de tournures, la distinction entre les deux n'étant pas pertinente, pas plus que n'est la distinction entre innovation formelle et innovation sémantique ou pragmatique. Tournures aujourd'hui employées en support du niveau interactionnel et dont on peut se demander si elles font l'objet d'une véritable pragmaticalisation. Des adverbes, du type en effet, voilà,
hein, ou émergents, au final, qui remplacerait finalement ou à la fin, des modalisateurs du dire ou du dire, hein, on va dire si vous voulez, si tu veux, hein, avec l'émergent j'avoue, des substantifs à axiologie parfois faussement négative, hein, du type putain, des hyperboles, ça tue, c'est trop, ça déchire, de chez, hein, plate, de chez plate, hein, des formules véridictoires, hein, ma parole, la vie de ma mère, le Coran, etc. Autant de formules qui seraient des candidats marqueurs discursifs ou modalisateurs, mais aussi peut-être des candidats à des situations de marquage transitoire. Reste à savoir à quel plan de modèle on peut envisager de se situer. Si le modèle doit être conçu comme véritablement théorique ou s'il doit prendre en compte des paramètres externes. De notre point de vue, il nous semble que la seconde option s'impose, s'agissant de nos objets d'étude. La prise en compte des traditions discursives et des schémas de communication nous semble essentielle. Pour analyser la montée en puissance de certains modalisateurs depuis une vingtaine d'années, on peut par exemple songer à mobiliser le phénomène de la conversationnalisation. À partir du modèle de la conversation, dans des genres de discours très divers, comme les émissions de télévision ou de radio, mais qui peut être aussi étendu à la pratique sociale, en général, du langage. Si l'on accepte de distinguer dans les usages ce qui relève du capital linguistique ou langagier à proprement parler de ce qui relève du capital communicatif, on pourra noter que ce dernier paramètre est tout aussi important, sinon plus, que le premier pour expliquer le suremploi de certaines formes à certains moments. Talk in such a way that you are noticed. Hein, parler de façon à être remarqué. Tel est le motto que Keller donne des usages. De ce point de vue, les modalisateurs sont comme un signe emblématique de cette volonté de marquage. Donc, la conclusion. Pour reprendre la question posée sous forme de plaisanterie par notre titre, ce que nous avons essayé de montrer, c'est que l'étude de certains phénomènes diachroniques liés à des zones spécifiques de la langue posait des questions à la théorie actuelle du changement. S'agissant des modalisateurs, peut-on parler de changement linguistique ? Oui, sans doute, si on donne à changement la définition très englobante que propose Shapiro, hein, une innovation qui a cessé d'être un trait individuel et est devenue un fait social. Mais non si on associe au changement le modèle de la grammaticalisation. Et pas non plus si on conserve la définition que donne Posner du change, completion of an inhibitory process involving loss of older variants. C'est la grande question. Quand est-ce qu'il y a changement ? Est-ce qu'il y a changement quand il y a une innovation qui se répand dans un petit groupe, hein, même si le groupe est limité à 2 personnes, mettons, ou est-ce qu'il y a changement lorsque l'on a parcouru l'ensemble de la courbe et qu'on est passé d'un modèle à l'autre, hein, sur plusieurs siècles parfois ? Ça, c'est une vraie question, mais de général, à quel moment on change ? À quel moment, nous, on a changé ? C'est le bateau de Thésée, hein. Il n'y a pas de réponse définitive à ce paradoxe. Mais ça engage du coup des modèles et des représentations en diachronie qui engagent beaucoup de méthodes de travail et d'outils. Hein. Donc il est bon de savoir où l'on se place ici. Dans le cas des modélisateurs, même si une étude systémique peut avoir son intérêt pour le linguiste, il nous semble que sur le plan de la diachronie, il faut accepter de renoncer à la variation et regarder en face le phénomène de mode, autrement dit du marquage privilégié d'une forme plutôt qu'une autre, qui ne serait plus nécessairement à voir en concurrence avec d'autres, mais qui, tout en coexistant avec d'autres formes voisines, occupe momentanément le devant de la scène, au moins dans certains espaces. Ce phénomène de circulation du marquage signale peut-être, dans la zone spécifique qu'est la modalisation du discours, l'existence de modifications des usages qui ne relèvent pas réellement du changement. Plus généralement, l'exemple des modalisateurs met en évidence la difficulté de conjuguer une perspective évolutionniste ou déterministe et une perspective émergentiste sur le langage. Pour Badiou, Monferrand et Vergen, la position émergentiste se caractérise par la postulation 1 d'une discontinuité entre l'état de choses initial et l'état de choses immédiatement subséquent, 2 d'un accroissement de la complexité. Les éditeurs de ce collectif sur les disparitions soulignent également que l'appréhension du changement linguistique par le biais des disparitions fait mieux apparaître la question de l'imprédictibilité des nouvelles structures et celle du saut qualitatif entre les états.
Une approche émergentiste du changement linguistique serait peut-être mieux à même d'intégrer en son sein l'étude des faits de parole à la mode, en ce qu'elle ne suppose pas la nécessité d'une continuité de processus, comme le fait la théorie de la grammaticalisation, privilégiant le simple ajout d'une complexité, ici l'ajout d'un fonctionnement modalisateur en fonctionnements antérieurs, que cette complexité soit amenée à s'installer dans la langue ou pas. De ce point de vue, l'exemple des modalisateurs pose bien la question de la langue par rapport à la parole. Les modalisateurs appartiennent-ils au système? Cela nous semble à mettre en doute. Il nous semble que le diachronicien, dans l'étude des usages, devrait enfin reconnaître si leur place au changement, qui n'affecte que superficiellement la langue, et qui met en valeur la façon dont celle-ci est modulée par le discours. Donc voilà pour ce très bon article, très intéressant, très stimulant, qui pose plein de questions très intéressante, très riche sur la diachronie et sur l'objet du diachronicien et sur la façon de traiter certains objets qui semblent être à part de notre champ d'investigation premier. En tout cas, ça donne toujours du grain à moudre, ça me donne toujours du grain à moudre dans ma pratique de recherche, type de réflexion. Donc je redonne les références. Il s'agit donc d'un article de Gilles Sioufi, d'Agnès Stuckart et de Chantal Vionnet, paru en 2018 et intitulé « Y a-t-il de faux changements linguistiques ? L'exemple des modalisateurs », donc qui a été publié aux pages 421-438 du volume « Nouvelle voie d'accès aux changements linguistiques » paru aux éditions classiques Garnier. Voilà pour cet article. Vraiment très intéressant, mais j'aime toujours beaucoup ce type d'études qui matinent toujours, analyse de cas et puis théorie ou bien on essaye de jeter une nouvelle lumière sur des modèles anciens et d'essayer de voir comment les choses se positionnent ainsi. Je reviens et puis ensuite je lancerai Fallout pour ce soir, à nouveau, pour une petite demi-heure, je pense, le temps de présenter certaines idées, et puis ensuite je couperai pour ce soir. A tout de suite. Mais oui, mon chou. Alors, je vais arrêter la musique de fond. Et je vais lancer donc le jeu du soir dans lequel je suis retombé parfaitement. Ah bah très bien, j'ai pas besoin de le paramétrer. Alors, par contre, il faut que j'augmente un peu le son ici. Voilà. Donc, Fallout New Vegas, jeu d'Obsidian, sorti en 2011, si je me crois bien. Alors ici, je joue à une version légèrement modée du jeu avec un nouveau pack de textures. NM6 Texture Pack qui se trouve très facilement, qui est un pack de textures très vieux maintenant, qui améliore sensiblement un peu le jeu au niveau visuel, qui le rend plus agréable à faire aujourd'hui, puisque le jeu commence à accuser son âge. Et le concept de Fallout, donc je l'avais déjà présenté il y a quelques mois de ça, j'avais commencé en stream Fallout 3.
hein, de Bethesda pour présenter le concept. Donc les Fallout sont une série de jeux de rôle, action, qui se passe dans un univers post-apocalyptique, donc dans les années 2270 et quelques. Cela fait 200 ans qu'une guerre atomique a ravagé la civilisation humaine, et donc les êtres humains essayent de survivre, hein, et de retrouver un semblant de normalité dans cet univers à présent dévasté, hein, par le feu nucléaire, en affrontant des dangers multiples, que ce soit les radiations, les espèces mutantes qui sont nées, hein, suite aux dites radiations, et puis évidemment des factions plus ou moins belliqueuses qui essayent de conquérir les terres, etc. Bon. Donc l'histoire de Fallout New Vegas se situe dans le désert du Morave, autour de Las Vegas, comme on peut s'en douter, avec Las Vegas qui a été assez bien préservé des bombes, miraculeusement, et donc toute une civilisation, hein, toute une culture s'est bâtie autour du jeu de casino, et nous sommes donc pas loin du barrage Hoover, qui est la plus grande source d'eau potable de la région, et ce barrage est en train d'être... d'être attaqué par plusieurs factions bellicistes. Il y a d'un côté la Légion de César, qui est un groupe esclavagiste, misogyne, etc., qui essaye de s'emparer du barrage, et de l'autre, la République de Nouvelle-Californie, hein, qui essaye de faire en sorte de sauver le barrage de cette attaque. Nous, on joue un courrier, hein, un facteur, hein, de cette nouvelle civilisation qui, au début du jeu, se voit capturé par des individus étranges, et on lui vole son colis qui se trouve être un jeton de casino en platine, hein, on n'en sait pas plus, et on nous tire une balle dans la tête. On survit miraculeusement. Et on doit à présent essayer de comprendre ce qui se passe et puis éventuellement se venger de la personne qui nous a tiré dans la tête. Donc je vais reprendre ma partie que j'ai commencé assez, et je me suis arrêté tout à l'heure précisément ici parce que pour le thème du faux, je trouvais que ça allait très bien. Donc pour vous montrer un peu mon personnage... qui s'appelle Mathilde. Donc je suis niveau 21, donc je suis assez loin dans la partie, je suis entre le milieu et la fin de la partie, on va dire, dans le dernier tiers. J'ai fait un personnage très intelligent et très chanceux, puisque voilà, c'est un build que je voulais faire, avec peu, du coup, d'autres caractéristiques, hein, qui sont moyennes. En termes de compétences, je me suis spécialisé surtout en discours, en sciences, hein, en crochetage. Et là, j'essaye d'augmenter également la médecine, la discrétion, etc. Au niveau d'aptitudes, des aptitudes plutôt orientées vers la réparation d'objets, vers la connaissance, vers la résolution plus ou moins pacifique. Des compétences, et je fais globalement un personnage assez positif, hein, qui essaye d'être gentil avec la majorité des gens, hein, à l'exception de la Légion de César que j'ai désigné comme et des poudriers qui sont un peu des méchants, on va dire, des prisonniers, des malfrats qui essayent de s'enrichir en faisant du... Et donc, nous sommes aux alentours du strip, hein, de là où il y aura les casinos, hein, dans une zone alentour qui s'appelle Freeside, hein, le côté libre, qui est une zone où les grandes familles mafieuses n'ont pas investi tous les lieux, ou du moins elles se sont retirées, hein, assez récemment.
Et la zone est dirigée par les Kings, qui est un groupe qui a pris place dans une école d'impersonation, d'imitation d'Elvis Presley. Sauf que la mémoire d'Elvis Presley a parfaitement disparu de cet univers. Et donc, ils ne comprennent pas tout à fait qui ils pouvaient représenter il y a 200 ans. Donc, ce sont de faux... Hein, de faux kings. Donc, avec leur blouson noir, leur banane, et ainsi de suite. Et donc, on peut aller parler... Hein, aux membres des Kings. Qu'est-ce qu'on a là ? Genre quelqu'un qui vient quémander quelque chose au King ? Alors le King, c'est donc celui qui gère ce côté de Freeside, et il est notamment utile lorsqu'on veut rentrer à Vegas, puisqu'il est capable de nous donner un passeport pour rentrer dans la zone des casinos, puisqu'elle est gardée par des robots assez violents. Alors, j'ai déjà le passeport, j'ai déjà fait des quêtes qui me permettaient de l'avoir, mais je veux quand même faire un maximum de quêtes, donc je décide d'aller voir le King. Oui. Alors, on peut effectivement payer pour voir le King, mais moi, comme je suis fort en discours, je viens d'arriver en ville et je voulais présenter mes respects. Donc, allons-y. Avec Rex, qui est l'un de mes personnages favoris du jeu. Un robot chien, hein, avec un cerveau dans un bocal qui fait ouf ouf, que j'aime énormément. Un sosie qui essaye de faire son numéro et le King. Regarde, Rexy, une nouvelle tête. Pauvre petit, ça va pas très bien ces derniers temps. Je suis le King. Que puis-je faire pour toi ? Alors, en français, il essaye d'imiter un peu une voix de crooner. En VO, c'est vraiment plus hilarant parce qu'il fait vraiment cette voix un peu, je sais pas comment dire, un peu chaude d'Elvis Presley. Thank you very much. Voilà, comme ça, qui a été caricaturé à l'envi, évidemment, à l'époque. Mais bon. C'est pareil, reviens ici. J'attends ton rapport avec impatience. Bon, tiens, prends ça aussi pour l'embaucher. Donc, je trouve que le thème du faux va particulièrement bien, effectivement, non seulement à Fallout, non seulement à cette zone des Kings, mais également aux jeux vidéo dans sa globalité. Parce que finalement, un jeu vidéo, au même titre que le cinéma ou la littérature, ce n'est jamais que de faire l'expérience du faux, hein, de se mettre dans un monde, hein, de découvrir un univers qui est faux de bout en bout, qui n'a qu'une relation très limitée avec la réalité, dont il reprend certaines formes, certaines couleurs, hein, évidemment, mais qui, au-delà de ça, hein, est parfaitement fictif. Et évidemment, le lien entre le faux
Et la fiction, hein, a toujours été, a toujours intrigué, a toujours intéressé, hein, les philosophes, les statisticiens, les spécialistes, etc. Mais dans le cadre du jeu vidéo et de Fallout notamment, je trouve la chose encore plus intrigante dans la mesure où on nous présente un faux qui essaye d'être vrai dans un futur dystopique. Hein. C'est ce principe de la dystopie. Merci. Comme je suis... Ah, ben c'est les grands-mères. C'est un groupe de grands-mères voyous qui apparaît avec un paramétrage particulier du jeu qui est intéressant. Donc, je trouvais cette thématique du faux dans Fallout assez intéressante. Dans la mesure justement où on nous présente un univers qui est moins post-apocalyptique en réalité que post-post-apocalyptique. C'est-à-dire que l'apocalypse est passée et certes on essaye de survivre, mais ça fait déjà 200 ans que les bombes sont tombées. Donc la société est bien reconstruite. Et il y a des zones dans le Morave, nonobstant effectivement les ruines qui restent encore, hein, qui finissent par être totalement reconstruites. C'est vrai que Fallout New Vegas verse encore un peu dans ses ruines globales, alors que Fallout 2, par exemple, aura davantage tendance à aller du côté de la reconstruction et des nouveaux modèles avec raison, je pense. Et Fallout 4, du coup, retombe dans quelque chose de plus proche de la guerre, ce qui, à mon sens, passe à côté du message du jeu, du sens du jeu, il me semble, mais... Ça peut être discuté. Et donc, le focus est ici moins porté sur comment faire un faux jeu, une fausse réalité dans laquelle les bombes sont tombées, que plutôt de faire une sorte d'étude de cas, de comédie humaine, sur comment les êtres humains reconstruisent leur univers à partir d'une catastrophe comme ça. Donc c'est un faux qui donne à voir du vrai en faisant semblant d'être faux, hein, comme on peut l'avoir ici, hein, avec ces mamies qui nous attaquent, mais malheureusement, avec leur mot de la maléfique, malheureusement, et Ida l'irascible. N'ont pas fait long feu. Donc je trouve ça particulièrement intéressant et particulièrement riche. Mais allons faire la quête. Allez, go! Voyons voir ce qui se passe quand on suit Horis dans Freeside. Donc je trouve... Ouf. Donc je trouve ça assez intéressant. Contrairement à un jeu comme Mario ou Zelda qui se positionne clairement dans un univers fictionnel, fantastique, etc. Qui ne se présente pas nécessairement comme quelque chose de réaliste. Fallout et d'autres jeux du genre, hein, essaye d'avoir justement cette approche un peu plus réaliste, hein, de l'humanité, du monde dans lequel on vit, en nous faisant visiter de vraies villes, si je puis dire, hein.
Ok. Mais du coup, il matine cette vérité d'une nouvelle couche de fausseté post-apocalyptique avec des animaux mutants, de la technologie du type robot intelligent, etc., etc. Et ben alors, tu vas trop vite, mon enfant. Ah. Oh, papa, papa. S'inquiéter. Si vous aviez engagé quelqu'un d'autre, vous seriez au milieu de crapules en ce moment. Vous n'avez tiré que trois fois alors qu'il y a quatre types. Vous avez vu, n'est-ce pas? J'ai visé l'un d'eux dans le mou pour toucher celui qui était derrière. Ouais, alors c'est du Une théorie pipeau. intéressante s'il en est. Je vous suggère de la garder pour vous. Mettons-nous en route. Ah mince, j'ai pas assez de troc pour lui demander de me donner de l'argent. Restez tout près. C'est dommage. Est-ce que je peux... Hop. Il est évidemment toujours en vie. Les gens sont toujours en vie. C'est une vraie crapule que cette Eris. Mais bon, si ça marche. Ça, c'est un que j'ai tué auparavant qui me voulait vraiment du mal. Vous avez remarqué son absence de tête. Nous y voilà. Vous voyez, tout va bien, non? Si vous devez encore traverser Freeside, vous savez à qui vous adresser. Ah là là, si je pouvais l'aligner, mais j'ai peur du coup d'avoir une réputation négative. J'ai fait des parties un peu plus psychopathique où je tirais un peu sur tout le monde. Ça donne aussi des choses intéressantes en termes d'histoire, mais bon, bref. Donc, je trouve ça intéressant la façon dont Fallout gère ce faux par rapport au vrai, hein, en rajoutant une couche de fausseté. Mais ce que je trouve assez finement réalisé, et ce qui est propre aux jeux vidéo, c'est que malgré tout, le jeu se pose sur des concepts et des enjeux qui lui sont propres, notamment en termes de réaction de gameplay. Quand on est gentil avec les gens, ils sont gentils en retour. Quand on est méchant, ils vont être méfiants par rapport à nous. Dans le jeu, il y a tout un système de vêtements, de tenues, hein, que l'on a, où si l'on porte une tenue d'une faction, ils peuvent... On peut plus ou moins être les infiltrer sans éveiller les soupçons, jusqu'à ce que l'on fasse quelque chose d'étrange, par exemple, qui pourrait les déranger. Donc il y a un certain nombre, comme ça, de phénomènes qui sont intéressants, hein, à considérer dans le jeu et qui nous permettent de conduire notre partie de la façon la plus élégante qui soit. Puisqu'évidemment, le jeu de rôle post-apocalyptique ou post-post-apocalyptique qui est Fallout, si les réactions des gens n'étaient pas légitimes par rapport à ce que l'on connaît, nous, de notre réalité, on ne pourrait pas s'immerger dans cet univers. C'est parce que les réactions sont réalistes, hein, que l'on peut dès lors se projeter et avoir, comme ça, une façon assez particulière de gérer, hein, les problèmes, les enjeux, etc., qui se présentent à nous. Donc le faux, comme dans l'article de Sophie et al., hein, si je puis dire, il ne s'agit pas de dire que faux veut dire qu'il n'existe pas. Faux, ça veut dire qu'il est en décalage par rapport à un modèle général que l'on peut avoir en tête, hein, comme pour le jeu vidéo, par exemple, de dire que le jeu vidéo, les conséquences, les actions, etc., font partie d'un monde fermé, clos sur lui-même, qui n'engage pas notre propre réalité, un monde d'imagination, va-t-on dire. Mais non, le faux dans le jeu vidéo se définit également par rapport à un vrai, hein, qui se définit soit par des relations humaines et une connaissance de la nature humaine, soit par des règles de physique, soit par des règles instaurées par l'univers. Et donc le faux n'est jamais qu'une autre façon de présenter un vrai, dans lequel on choisit ou non de s'immiscer. Qu'est-ce que t'en fais, moi?
Hop, Ori, c'est un escroc. Je vais y aller tout de suite. Hop, et donc c'est parti. Donc voilà pour cette réflexion que je voulais lancer avec Fallout, et donc je vais en profiter pour rejouer encore un peu, peut-être une quinzaine de minutes en ligne, et puis ensuite je laisserai le chat pour ce soir. Voilà, j'ignore s'il y a des spectateurs ou des spectatrices, mais dans tous les cas, je rappelle que le stream sera disponible une semaine en ligne sur Twitch et que je l'uploaderai sur YouTube dans le week-end, je pense. Je ne sais encore quand exactement, mais vraisemblablement dans le week-end. Hop. Retournons en forme. Et vraiment, je suis retombé dans ce jeu récemment, j'y ai repensé. J'y avais déjà joué peut-être plus de 100 heures déjà à l'époque. Et encore maintenant, je redécouvre de nouvelles choses. Bonjour. Voilà. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas que je veux rester seul avec mon ami? Ah, dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je ferai n'importe quoi pour qu'on retrouve les enfoirés qui ont fait ça. Alors, c'est un vieillard, mais sa voix française est bizarrement jeune. C'était des gros costauds, et jeunes en plus, pas des vieux machins comme moi. Je suis même pas sûr qu'ils avaient la moitié de mon âge. Je les ai pas bien vus, parce que la majeure partie du temps, j'étais face contre terre à les supplier de me laisser vivre. Je crois qu'il n'y a pas de voix de trop de personnes âgées dans le jeu. Les doubleuses sont toutes des... Il y a quelques enfants, mais je me demande si c'est pas des voix qui ont été modifiées. C'est dommage. Ah, Wayne. Bonjour. Yep. Je sais pas vraiment quoi ajouter. Ils étaient plusieurs, habillés un peu mieux que la plupart des gens de Freeside. Ça vous aide. Désolé de pas avoir pu vous aider plus. Vous avez été d'une telle gentillesse. Hé, attendez, quelque chose me revient. Je crois que j'ai entendu un des types appeler l'autre par son nom. On s'en était déjà pris pas mal quand l'un d'entre eux a dit. Hé, hey, Lee, il faut foutre le camp. Enfin, je crois que c'était lui. Autre chose, peut-être. Maintenant que j'y réfléchis, il a dit Lee quelque chose. Quelque chose avec un... C'est comme ça qu'il a appelé. Lieutenant. Lieutenant. Parfois, il est con comme une mutant. L'ambiance du jeu est terrible, hein, évidemment. Si vous en avez l'opportunité, les dialogues, la VF est... Alors c'est vrai que la VO est vraiment bien. La VF est peut-être un peu plus laborieuse par endroits. Mais elle est faite néanmoins avec beaucoup d'honnêteté. On retrouve des voix du doublage du temps. Donc voilà, vous reconnaîtrez des voix de dessins animés, de films. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et le jeu est un plaisir à faire. Il coûte 3 francs 6 sous maintenant. Et je vous le recommande. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, c'est pour moi le meilleur Fallout 3D. Hein, vraiment, que l'on peut avoir. Tu as découvert quelque chose? Tu viens juste discuter. Un groupe de quelques questions, c'est ça? En général, il viendra juste ici. Quelle semaine ai-je passée?
Ça a été fatigué. Oh, moi ça me dérangerait pas de faire des câlins. Bonjour Pisseur. Alors, on va aller voir Julie Farkas. Au Fort Mormon. Donc, on revient là où on était précédemment. Les quêtes ont souvent des options. Des voies optionnelles que nous donnent parfois. Assez littéralement le journal de quête. Parfois, il y a des façons de résoudre les quêtes plus cachées, plus dissimulées, et qui peuvent laisser libre cours à votre imagination. Et on en découvre encore quelques-unes aujourd'hui qu'on n'avait pas forcément trouvées auparavant. Mais voilà, Julie Farkas, bonjour. Je lui ai déjà rendu service. Merci. Mais d'abord, hop. Pas grand-chose. Une de mes amies, le major Elisabeth Kieran, distribue des vivres aux pauvres à l'ouest d'ici. Pourquoi ? Je sais que quelque chose les a mis à cran, mais j'ai eu trop à faire pour m'y intéresser. Si vous voulez en savoir plus, allez voir Elisabeth. Elle s'occupe des opérations à Freeside. Mais elle ne vous parlera pas sans vous connaître. Si Elisabeth ne parle pas, dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Elle sera plus ouverte si vous mentionnez mon nom. C'est noté. Alors, allons voir cette Elisabeth. Bonjour. Est-ce bien là que je dois aller? Hop. Ouais. Alors, elle m'a dit à l'ouest. Oula. Beaucoup de marqueurs dans tous les sens ici. Encore une chose, il me fait revenir au fort Mormon. Non, derrière le fort. Les marqueurs de quête sont parfois un peu difficiles à suivre, je trouve. La navigation dans le jeu peut être occasionnellement compliquée. Donc, voilà. Il faut s'habituer un peu à la navigation dans cet univers. Et j'avoue que j'aime bien. Alors, non. Non, ça c'est un camp de squatteurs. C'est pas là où je voulais aller. Est-ce que ça c'est un deuxième camp de squatteurs? On va essayer de rejoindre. Elle m'a dit qu'elle était à l'ouest, donc ça va être plutôt ce marqueur ici. On va essayer de la trouver. Hop. Si vous voulez voir à quoi ressemble mon personnage vu de dos. Hop. Désolé, gamin. Alors, il ne faut pas que je rentre là-dedans, du coup, faire le tour, peut-être. Ah. Magasin en ruine. Magasin en ruine, ça sonne comme un autre camp de squatteurs. On va essayer d'aller par là. Je mets parfois beaucoup de temps avant de rejoindre là où je dois aller. Je connais pas encore tous les lieux par cœur. Il y a des zones dans lesquelles j'arrive mieux à me repérer et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, ça va être par là. Je pense. Est-ce que ça va être derrière ce bâtiment? Dans ce bâtiment? Par ici. Non, ça va être un autre camp de squatteurs, ça je pense. Par les hommes. Par les Santiago. Ouais. Donc c'est dans le magasin en ruine, du coup, je présume. Bon, très bien, essayons d'aller trouver cette femme. Je pense que je vais pas tarder à quitter le stream. De toute façon, non, là c'est une impasse, je sais. Je suis déjà allé tout à l'heure, des gens ont essayé de me violenter sans savoir sur qui ils tombaient. On va repasser par là. Je vais essayer de la trouver et puis j'arrêterai le jeu à ce moment-là. Oh, Z! Vivement le week-end! Ouais, toujours dans la bonne direction. Non, non, c'était bien dans l'autre zone. Est-ce que ça va être ici? Non, par contre, c'est peut-être de l'autre côté. Non, toujours pas, décidément. Ça va être de l'autre côté de ces gravats. Ah, mais je me demande, oui, j'avais rencontré une porte fermée, jadis. Je ne me rappelais pas de ces personnes. Bonjour. Ok, merci. Oh. Très volontiers. Bon.
On va en avertir le King, parce que je pense pas que ce soit le fait du King que la que l'émissaire ait été. Hop. Battu. Il a l'air d'être une force assez positive dans cette ville, dans Freeside. Donc ce serait surprenant qu'il batte quelqu'un qui cherche à apporter son aide. Je crois me rappeler effectivement de la fin de cette quête. Je semble savoir ce qui se passe. Les quêtes ont parfois des finalités assez surprenantes. On fait des découvertes intéressantes sur les gens et sur ce qu'ils font. Donc oui, il y a définitivement un jeu que je recommande très fortement. Peut-être plus que Fallout 3, qui est très bien par ailleurs, mais qui est peut-être un peu moins écrit, je trouve. Qui est un peu plus laborieux, un peu plus facile, parfois, dans ce qu'il présente. Alors que New Vegas, c'est quelque chose qui est... Voilà, qui a un peu plus d'intelligence, je trouve. Ah, tiens donc. Mage, faites comme vous voudrez. Mais ne vous attendez pas à ce que ça change grand chose. Oui. Laisse-moi en décider avec le King. Bon, oh, qu'est-ce qui se passe ici? King, on a des problèmes. Repose pas sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fusillade près de la gare. Ses passeurs et quelques étrangers, peut-être de la RNC. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce demeuré? Je veux que tu ailles sur place et que tu désamorces la situation. Dis-moi que je suis prêt à coopérer. Allez. On va essayer de négocier tout ça. Où est-ce qu'ils sont? Oh, je vais pouvoir passer par la petite porte que j'ai découvert. Hop. Avancer en sautant est un peu plus rapide qu'en marchant. À ce qui me semble. Oh mon dieu! La fatigue. Je termine cette quête et puis j'arrête le stream. Oh là, les enfants. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, t'as pas l'air de contrôler quoi que ce soit, mon petit gars. Calmez-vous les enfants, j'arrive. Ah mince, il fallait que j'enlève mon arme. Donc oui, c'est vrai. Comment je fais d'ailleurs pour enlever mon arme? Je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. Activer, préparer, recharger arme. C'était... Bon, je vais juste l'enlever de mon inventaire. Hop.
Hop. Ouais, pas vraiment. Bon, on va voir s'ils sont plus gentils maintenant. Pas de soucis. Alors, à qui dois-je parler ici? Sans doute à Elisabeth. Très bien. Et évidemment, on se doute très bien qui a sans doute quelque chose à voir dans cette situation, n'est-ce pas, Pacer? J'ai l'impression que tu es quand même peu disposé à me faire confiance, Pacer. C'est triste. Et bon. Oh mon Dieu, désolé. Oui. Ah, c'est qu'il faut maintenir R. Ok. Je l'ignore. Hop. Allons voir le King. L'un de mes personnages favoris, quand même, aussi. Je sais ce qui s'est passé. Il faudrait peut-être un peu plus de palabres et un peu moins de baston. A little more conversation, a little less action. Oh. Et on arrive du coup à gagner un niveau. Alors j'en profitais d'ailleurs pour augmenter le troc et puis je vais mettre le dernier point. Je vais le mettre en discrétion. Hop, continuer. Alors, qu'est-ce que je peux choisir comme perk? Oui. Ça c'est pas mal. Œil pour œil. Ouais, résistance chimique. Maniement d'armes. Ça peut être intéressant ça le nu. Maniement d'armes. Non, le squelette adamantin me semble bien. Pour avoir un peu moins de dégâts. Hop. Et on va s'arrêter ici. Hop. Je vais quitter le stream pour ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont suivi, voilà, ou qui sont passés, ou quoi que ce soit. Donc, le replay sera disponible pendant une semaine sur Twitch. Et je l'uploaderai dans le week-end sur YouTube si vous souhaitez y revenir ou voilà, le rattraper. Passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao !